Donc, dans ces restes, nous avons trouvé beaucoup d'insectes, surtout des coléoptères. Et nous avons fait des petites photos, donc des photos focus stacking, et pour avoir une grande photo en plein détail. Et avec cette photo, Caroline a les envoyé à un archéo-entomologiste et il a trouvé de quelles espèces les coléos sont. Donc, ce sont les coléos qui mangent des plantes, des autres choses végétales, mais aussi des coléoptères qui mangent des restants d'un animal, des cadavres. Donc, c'est intéressant d'investiguer si les coléoptères qu'on a trouvés normalement sur les cadavres, et qu'on a trouvé avec les squelettes, qui sont peut-être dans le même siècle de Jacques de Vitry.